Tous ces papiers que trouve suffisamment le sang camerounais. Ces messieurs viennent de manière frauduleuse par la complicité d'un certain nombre d'agents de la mairie et des autres personnes du milieu d'intermédiaire pour se livrer à la délivrance des papiers tchadiens qui se font délivrer des actes de naissance tchadiens à partir de la mairie de Fala, qui puisse le permettre d'avoir le passeport tchadien. Et même selon leur dire, c'est plus facile d'avoir le passeport tchadien, c'est pourquoi ils utilisent ce raccourci pour venir utiliser le passeport tchadien, alors que le passeport tchadien n'est délivré qu'à des tchadiens, et on ne peut pas se permettre d'avoir la nationalité tchadienne un bon matin. Même si tu es dans notre pays et que tu puisses avoir la nationalité tchadienne, il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut passer dans les conditions. Il y a le temps qui devrait être mis sur le territoire national, il y a des conditions à remplir, il faut être enregistré de manière officielle sur le territoire qui est étranger, le temps de reconnaître comme étranger, et passer ce délai, tu peux faire la demande, mais tu ne peux pas quitter un bon matin de Cameroun ou ailleurs, venir et dire que tu vas avoir la carte d'identité du Tchad, le passeport italien, tout ça effectivement. C'est bien ces gens, et ils créent la facilitation pour que ces gens puissent avoir le papier italien. Doit être sévèrement puni, tout comme celui-là qui joue l'intermédiaire entre ce bailleur des gens et également entre les services de la municipalité. Doit être puni au même titre réglé tout ça. Donc nous concluons tous ces développements à la disposition de la justice et que nous souhaitons que la justice soit sévère envers eux, qu'ils soient très rapidement condamnés et transférés loin de Fala pour juger leur temps. C'était ça notre but, tout ça. Et par la même occasion, nous félicitons une organisation des forces de renseignement et de sécurité qui ont fait un travail de titan pour essayer de trouver tous les renseignements nécessaires, de suivre pendant des mois sur le réseau. Ce n'est pas pour la première fois, c'est pour la première fois qu'on a mis la main sur eux, mais c'est une pratique qui est en train d'être faite pendant des années et les gens ont essayé de toutes les informations nécessaires pour mettre la main sur cela avec notre